Bonjour, c'est Gadu et bienvenue sur Gadu Gaming pour l'épisode 23 de Let's Play de Farming Simulator 19 en compagnie de Burning. Coucou. Yo, coucou. Ah, t'es là. Qu'est-ce que t'es foutre encore là? J'essaie de réparer des conneries. T'essaies de rattraper le camion. Peut-être que tu te fous de ma gueule, sans déconner. Il est beau ton camion, hein, il est beau. Et t'as des traces de pneus. Attends, t'as des traces de pneus dans le vide aussi. Ça, c'est ouais, c'est ce que je suis en train de régler en fait. Mais ça, j'avais déjà vu un épisode, je sais plus lequel, mais bon, c'est le jeu, écoutez. Voilà. Alors. Là, il me dit que c'est un champ d'avoine au passage. C'est pas du tout un champ d'avoine, mais on va se barrer. Et du coup, on était rendu au cochon. Si vous vous rappelez, allez voir l'épisode précédent, voir la tronche du camion à l'épisode précédent. Tu vas le remettre droit, hein. Tu vas descendre avec le Manitou, là, tu vas le remettre droit, tu vois. Ah non, je le réinitialise. Si. Hein, non, tu le remets droit, attends. Et je vais jamais pouvoir remettre un semi-remorque droit avec un Manitou. Fonce, fonce. Je suis au pied dedans. Ah, c'est bon, je te vois, vas-y, fonce, tout droit. Tout droit. Il est tout terrain, là, vas-y. Hop là! Et voilà, t'as vu, nickel! Vas-y! Ah redresse-le. Bah, le Manitou à 46 000 euros, heureusement qu'il se remet à l'endroit tout seul. Ah, je sais que les puristes vont râler, ils vont dire oui, c'est pas logique, en plus le camion il tient avec le pot d'échappement, enfin bon. Il a le pot d'échappement un peu planté dans le sol quand même, hein, mais bon. Bref, pendant que tu le remets droit. Mais non, mais il va, falloir aller chercher la charge aux armes. Mais pour accueillir si avec une voiture ou je sais pas moi, attends. Avec la chargeuse à balles, enfin la piqueuse de balles. L'embout de piqueuse de balles. Fais gaffe, tu vas faire des trous dans la carrosserie, hein, je te dis. Hein. Ah putain. Bon, ok, tu sais quoi? Ok, d'accord. Faire le mariole? Ok. Reste ici, mais, je reviens. Bourre dedans, tu vois, tu veux dire. Ah, mais ok, bouge pas. Et on en a besoin, je te rappelle, pour mettre la nourriture. Arrête de glander. Je reviens. Non, mais attends, moi je vais le faire parce que là tu sais rien faire. Tout à l'heure là. Tu vas chercher le tracteur de 600 chevaux, ça? Non, j'ai pas besoin de tracteur 600 chevaux, moi. J'ai du matos, moi. Quand je coupe du bois, j'ai du matos. Elle est où, l'ensileuse? Il devait y avoir une ensileuse. C'est pas possible, pourquoi ça marche pas, là? On va rester coincé avec ce tracteur tout le long de la vidéo, maintenant. Enfin, ce tracteur, parce que ça s'appelle un tracteur, l'avant des camions, pour ceux qui ne savent pas. Ah ouais, ça s'appelle un tracteur? Ça s'appelle un tracteur, ouais. Super intéressant, je savais mais pas, tu vois. Que le camion, hein. Sans la remorque, hein, ça s'appelle un tracteur. Eh bah, franchement, tu vois, d'habitude tu dis des choses, bon, ça m'intéresse pas des masses, mais alors ça m'intéresse vraiment. C'est dingue. Vrai. Ah ouais, non, c'est vrai. Tracteur, sans déconner. Ouais, ça s'appelle un tracteur, bah écoute, tu vas tirer à voir. Ça alors je crois pas, hein. Non, mais je crois, mais confirmer dans les commentaires, bien sûr. Mais je trouve ça ouf. Mais alors, du coup, en fait, ce qu'on appelle un camion, c'est le tout. Ouais. Tiens, regarde. Regarde ça. Non, mais t'as pas réussi à le mettre à l'endroit quand même. Si, j'ai réussi. Donc t'es parti chercher ton tracteur pour rien. Bah non, parce qu'on va sûrement le retourner encore, donc tant qu'à faire, autant le laisser là. Il faudrait juste faire attention de pas tomber dans la pente. Bon, il est pas tout à fait droit, mais presque droit. Il est un peu penché, tu vois. Alors, on va essayer. Oh bah non, vas-y, je ramène mon tracteur. Attends, c'est bon, parce que je... Oh là, attends, c'est possible qu'on ait besoin quand même, attends. Ah putain, moi j'arrive alors. Ouais, arrive quand même, parce qu'on sait jamais. Je suis le malin, mais je t'assure que là, vu comment je suis positionné. Attends, mais tu sais que moi aussi je suis au malin, mais tant la chargeuse, ma chargeuse avant là, ma chargeuse sur roue, elle va pas réussir à le remettre à l'endroit. Allez, oh non! J'avais réussi, en fait j'ai raté. Donc vas-y, on revient avec, hein, parce que. Ah, allez. Attends! Non, c'est bon, j'arrive, c'est bon. Ouais, allez, vas-y. Voilà, je sais, puis on sent là. Je vous dis, attends, vous êtes oh. Petite. Fuck, j'arrive. Ah, vous avez vu, ça fait. Oh! J'y suis presque! Ouais, enfin, ah si, bon, j'ai réussi. Voilà, je viens de réussir. Bon, il a fait un peu de woodwalk, mais bah non, mais amène-la quand même, la chargeuse d'avant. Tiens, il y a ton truc pour laver aussi. Alors, ta pente là, c'est quoi? Je vais tenter de la prendre, ta pente. Non, mais c'est pas une pente pour les camions. Ah bon, c'est une pente pour quoi alors? C'est une pente. Ouais, mais c'est. Elle est encore en développement. Je vais prendre la pente de skate là. Je suis sûr qu'en arrivant à 100 km/h, on peut faire un tremplin de la mort. Bon, alors, puisque on a une nourriture, nos cochons étonnamment ne meurent pas de faim, cependant je pense que c'est parce qu'ils sont trop récents. On doit avoir un petit temps quand même avant qu'ils crèvent. Ouais, quand même, sachant qu'on est en foin, on joue en foin, hein, donc il n'y a pas de raison que on ne puisse pas. Je vais reculer pour m'atteler à cette remorque. Pardon. Voilà, et là il me propose de faire I. Je vais faire I, en espérant que ça se mette bien où il faut, attendez. Ça me fait rire le gros trou qu'il y a juste derrière. Ça se vide, hein. Alors visiblement il ne reste plus que 20 000 dans la remorque, ça continue à se remplir.
Il reste plus que plus de 10 000, 7 000, 5 000, 1000 et 0. Voilà. Bon, je pense qu'on va devoir refaire un trajet. Pour bah, de toute façon, il nous reste une... Je vais m'en assurer dans le menu animaux pour savoir combien... Il nous reste une paquette là-bas. D'accord. Combien il nous faut encore? Oui, il nous reste 1000, ouais, super. Ah, tu vois, Gadu, à la ferme chez nous, pour nettoyer les poules, on a... Oh, je suis tout défoncé. Alors, on a les Manitou. Ah, en fait, il n'y a plus de place. Si, les cochons sont là. 62, 62, 62, 62, donc c'est bien 148. Propreté 100%. Par contre, alors Burning, tu vas être déçu. Ils ont pas besoin d'eau ? Mais non, pour remplir le truc, il va nous en falloir au moins 10 remorques comme ça. Et je t'assure que je déconne pas. Ouais, mais... Je t'assure que je ne déconne pas. On arrive à un stade où ils peuvent aller bien se faire foutre. Hein. Gentiment. Non, on va le faire, c'est rapide à faire. C'est pas compliqué d'aller prendre le camion, d'aller faire le... Il est fou ! Bon, alors... Il y a de l'eau et de la paille. On va faire le plein pareil d'eau et de paille. Alors, surtout d'eau, parce que la paille, c'est obligatoire. On va vous expliquer après. Nous, on a compris ça. Alors, je vais essayer de pas planter le camion, ce coup-là. Je sens mal, là, le camion, là. Et tu pouvais pas enlever la remorque ? Bah, si, j'ai enlevé la remorque, là. Mais non, la remorque, tu l'as laissée. Ah, oui, tu voulais que je descende. Ouais. Eh oui. Écoute, non, je suis là, descends. Oula ! T'as vu ça, j'ai failli faire une connerie, hein. Eh, c'est pas sûr qu'on arrive à se mettre dedans. Mais c'est bon. Nickel. Alors, est-ce qu'on peut faire le plein? Évidemment non, parce que tu t'es pas mis assez proche de la... Alors, j'aime bien parce que cette citerne que vous voyez là... Non, non, c'est une blague là... Burning. Je sais, tu sais, je suis en train de caresser l'herbe. Ou je suis en train de m'essuyer les pneus sur l'herbe en fait. C'est ça que je suis en train de faire là. Donc je disais, oui, la citerne que vous voyez qui est à gauche qu'on a achetée, qui vaut 5000 je crois, enfin c'est dérisoire. Elle va nous servir à remplir la citerne qu'il y a dans mon dos là. La grosse citerne, hein, j'espère que ça marche. Mais regardez bien, le volume c'est quasiment le même. Sauf qu'on va faire plusieurs trajets. Nous sommes des Spartiates. Oh. Ah ça c'est beau. T'as fait un petit ricochet, je sais pas si t'as vu. C'était magnifique. Ah c'était magnifique. T'as rebondi sur la pelle, je sais pas comment t'as fait. C'est une benne en caoutchouc. C'est... Ah c'est bon, je peux. Ah bah, eh, c'est une merdier donc. Je t'avais dit de pas prendre une remorque aussi grande. Parce qu'attends, eh, je vais me remettre hein, pour essayer de choper l'eau. Mais non, mais après, comme on a compris le délire du terraforming, on va terraformer un peu. Est-ce que je peux remplir? C'est bon, ça remplit. Yes. Bon, vu que c'est une grosse citerne, normalement, on va pas faire 36 000 trajets. Sinon, ce qu'on va faire, Burning va faire pendant que moi je m'occupe de mettre de la paille et tout ça là, va s'occuper de ça. Va s'occuper de la citerne ? Oui, de remplir la flotte et d'aller chercher les sacs de cochons. Enfin, les sacs à cochons plutôt. Ah, par contre, c'est super long à remplir. Hein. Vu la taille de la citerne, je sais pas. Ah, bah c'est du 32 000, hein, je crois. 32 000 Ouais, une bonne bête. Ouais, ça doit faire ça, ouais, ça doit faire ça. Ouais, parce que je suis rendu à 6 000 et on n'est pas rendu quoi. Donc on va attendre patiemment que ça se remplisse. Mais comme quoi, quand on s'occupe des animaux sur le jeu, hein, pour ceux qui veulent jouer, sérieusement, hein, parce que là, jusque-là, on rigolait pas mal, mais. Plus sérieusement, je vous assure que ça demande énormément, énormément, énormément de temps. Faut aimer farmer, d'où le terme Farming Simulator. Pour deux raisons. La première, c'est parce qu'on est fermier. Et la deuxième, c'est parce qu'on doit farmer, mais bah, c'est des plombes. Hein. Je suis rendu à 12 000, Burning, là, quasiment. C'est quoi des dolis ? Des dolis, ça permet de transformer une remorque à tracteur en remorque à camion. Mm-hmm. Ou l'inverse, je ne sais plus. Mais enfin bon, bref, peut-être que ça se met dans les deux sens. Sert d'attache entre un semi-remorque et un tracteur. Voilà. Ah, peut-être aussi. D'accord. Ça. Et il n'y a pas des remorques pour transporter des véhicules ? Ah si, des remorques sont baissées. Tu mets le véhicule devant, et après, okay. Bah, avec le camion, tu peux trimballer des véhicules entiers. Ouais. Sur baissé, oui, je vois ça. Alors, après, on pourrait rigoler et acheter le tracteur à 12 roues, là, tu sais. Et le mettre sur la remorque pour voir comment ça dépasse. Non, c'est bien pour les Manitou. Ouais, non, mais ouais, ça peut être intéressant quand on achète des Manitou et tout d'aller les chercher avec ces merdes. Oui. Parce que c'est vrai que ça rend fou là de faire tout le trajet en Manitou. Bah, il faut pas en avoir que un parce que le temps de faire le trajet avec le tracteur, le temps de le mettre. Parce qu'en plus, c'est chiant à mettre. Hein. Ça, il faut lâcher la remorque, t'es obligé. Avancer le camion, enfin le tracteur du camion, du coup. On met le petit machin, remettre le tracteur, le réatteler. Et pareil, pour décharger, il faut s'arrêter, enlever la remorque. Enlever le Manitou et remettre le tracteur. Ça prend des plombes, c'est pour ça qu'il faut le faire avec plusieurs véhicules tant qu'à faire. Bien, on va arriver full, hein, comme vous voyez en bas à droite. C'est plutôt bien rempli. On est rendu à 28 000. Il est où le Manitou à paille ?
Il est presque pas le Vinitou à paille, il est au bout. Il est au bout de. Oula, alors, là t'as fait un saut. Un saut meurtrier de au moins 6 mètres de hauteur. 6 mètres, tu penses? Il y a un cochon qui se fait gorger ou quoi? Bah, c'est un cri, bichette. Ils doivent crever de soif. Les cochons. Ils bouffent comme des porcs. Oh là là, je suis en train de faire l'amour au Manitou. Non, c'est le Manitou qui me fait l'amour. Regarde. Mais c'est bon, il est en roi. Oh là, voilà. Tu vas tellement ranger. Mais non. Ouais, mais attends, mais... tu t'es mis au milieu de ton chemin avec ton foin là, qu'est-ce que tu m'emmerdes? Mais non, mais il y avait pas de chemin de base ici. Pourquoi t'as mis le truc aussi près? Mais fort, mais non. Bah oui, c'est vrai que le chemin. Bah c'est ta pente à la con là. Regarde, t'enlèves ta pente, il y aura pas de problème. Ma pente à la con, ça va être la faute de ma pente maintenant. Oui, c'est ça. Attends, parce que je suis en train de faire du burn là dans le champ. C'est un bordel monstre et on va falloir ranger tout ça parce que là c'est la merde. C'est bon, j'ai réussi à décoincer la remorque. Eh non, mais pour faire le demi-tour avec la remorque, c'est un cauchemar, Bernie. Il faut faire quelque chose. Mais non, mais prends large. Qu'est-ce que tu fais? Mais je peux pas. Regarde, je peux pas. Si tu regardes, il y a l'avoine là qui fly là. Regarde. Alors attends, je vais faire un truc. Fuck l'avoine, hein, c'est bon. Ouais, je vais niquer le champ. Voilà, je vais mettre. Bah, sur l'avoine, oui, on s'en fout. Bah, on en fera de toute façon pour les chevaux, écoutez. Donc là, normalement, c'est ici qu'on met la flotte. Ce que j'espère, mais c'est bon, je propose. Alors vous allez voir que là, ça va se vider totalement. Alors heureusement que ça se vide beaucoup plus vite que ça se remplit. Maintenant j'ai envie de voir la surprise. Qu'est-ce qu'on est en train de faire là? On est en train de tout... Non, fais pas un grand trou hein. Ah merde, hein, si c'est bon. Je sens que tu vas faire un grand trou là. Mais oui, mais comme ça au moins c'est tout droit partout. C'est bon là. Attends, je suis en train de terminer la flotte, c'est toi qui vas t'occuper après de la fin. Là je pense que nos cochons du coup là ils ont de quoi manger. C'est pas super équilibré parce qu'il leur manque clairement des patates, vous l'avez vu hein. Ça donne pas en fait la nourriture parfaitement nickel. Mais ce qui compte c'est qu'en fait on soit dans le vert partout. Et là on n'y est pas quoi, donc faut acheter de la nourriture. Et qu'est-ce que t'as fait? C'est bon, c'est bon. Et non, mais pourquoi tu fais... Voilà. Toi pendant ce temps, tu vas faire le plein de flotte et de... Et tout le merdier là, d'accord? Donc moi je m'occupe du truc à paille. Ah bah oui, bah tu m'étonnes. Tu bordel. Alors on va les voir dans le menu quand même à combien ils sont. En flotte, si en flotte c'est bien, il faut juste une remorque et demie en flotte. C'est pas mal. Maintenant. Remorque et demie, il m'a jeté la remorque en bas. Tu mets la. Mais je suis dans quoi là? Ah, je suis dans le Manitou. Eh, hey, par contre, tu gardes bien la remorque vide ou tu vas racheter une remorque là, une citerne. Parce que on risque d'avoir du lisier. Oh putain. Donc si tu gardes la remorque et la moitié de la flotte, et ben en fait on va juste être coincé. Tu peux pas vider la flotte par terre. Mais une grosse mare, tu sais. Si tu hey, tu la mets dans les cochons là. Ils aiment bien la merde là, partout là. Parce que là c'est tout propre par terre là. Faudrait que ce soit tout crade. Ils ont déjà commencé à salir. Et leur auge n'était. Et on va faire un nombre de trajets indécent Burning pour aller remplir ce truc là, mais on va le faire. Bref, en plus ça va nous coûter une blinde, hein, parce que c'est 59 000 fois et demi, donc c'est 90 000 à chaque trajet. Sachant qu'on doit le faire une dizaine de fois, on en a pour 900 000. Là on n'a pas assez, donc déjà on est foutu. Enfin, bon. Bref, peut-être qu'en vendant un petit peu de caca, là ça va nous aider. Alors. Mais après de ça on fera du bois, des conneries dans ce genre, et ça monte vite d'argent avec le bois. C'est quoi la petite touffe qu'il y a là? Ah, j'adore. Y'a pas de petite touffe. J'adore Burning. Eh, t'es d'ailleurs, puisque t'es en mode paysage, tu peux pas me transformer ça en herbe? Le socle en béton? Ouais, c'est possible. C'est pas mal, hein, parce que. C'est vrai qu'on l'avait essayé, je sais pas si vous vous rappelez. Mais je vous le redis au cas où. C'est que. Alors, il faut que je remette ce truc là, mais alors, si la botte de paille se barre pas, j'ai de la chance. Comment on change déjà? Changer de. Ah, bah c'est bon. Ok, c'est déjà. Ah, c'est ça. Hop, hop. Je veux que ce soit en herbe. Bon. Ah, pas la bonne herbe. Non, je me suis trompé d'herbe. Ouais. Eh, ce truc là, ce Manitou là, avec. Attends, t'as vu la longueur du capot là? On est tout à l'arrière du véhicule. Un truc énorme là. En plus, je vais repasser devant ton truc de foin, tu vas encore râler parce que je vais le démolir. Non, fais gaffe. Ah, ouais, mais comment tu veux que je passe? T'as la pente à côté quoi, Burning. Eh, j'essaye, hein, je suis sûr, j'essaye. Ouais, c'est bon, ça passe. Si ma paille tombe, ça va chier, c'est bon.
Mais t'es obligé de travailler toute la merde, toute la machine. Allez, roue arrière. Bah, comment tu veux que je reste trop? Ah putain. Attends, c'est quoi l'objet? Attends, il faut en balancer ou il faut poser simplement? Je sais pas, mais j'aurais voulu être un artiste. Alors, on va voir combien il consomme celui-là, parce que je suis sûr qu'il consomme les salopards. On va voir ça. Ah ouais, d'accord. Elle a fait one shot là. Peut-être qu'il faut simplement en poser. Hein. Burning. Non. Faut acheter de la paille. Non, mais non, il y en a de la paille. Attends, combien ça leur a rempli? Paille, 27 litres. Wouhou. Ah bah tu vas rire, il y a plus d'eau dans la citerne. Comment c'est plus? C'est impossible. Bah, t'es sûr que c'est infini cette merde là qu'on a? Ah, bien sûr, c'est infini. Attends, jusque là. Ah ouais, non. Parce que ça s'était arrêté en fait, alors que je bougeais pas. Mais non, c'est moi, j'ai réussi à remplir. Des bottes de foin de merde là. Mais non, mais mes bottes, elles étaient bien rangées. C'est toi, t'es arrivé, t'as mis des coups de tracteur de partout. Tu vas les re-ranger de toute façon. Quoi? Si, tu vas les re-ranger. Voilà. Bah, alors là. C'est parce qu'à l'épisode prochain, les cochons vont être nickel, tous. Non. Si. L'épisode prochain, ils seront tous morts. Ils ont foutu le bordel, les cochons. Je vais les saigner durant la nuit. Attends, parce que là maintenant, il y a la manip de fou, tu sais, à faire là. C'est-à-dire prendre le Manitou et aller foutre une botte de paille dans l'engin. Ah, je crois qu'on est pas rendu. Je vais essayer, mais enfin voilà. Putain, mais quel jeu de merde. Après on va juste s'arrêter là pour le moment, d'accord. Je vais juste mettre une botte quand même, parce qu'il sort qu'on est 1000, sinon on va pas avancer. Et puis et après on va essayer de ramasser. C'est bon. J'ai visé ton foin partout là. Voilà. Ça avance pas un Manitou aussi. Enfin un Manitou, un Bobcat là. Comme certains disent. Pour moi ça s'appelle un Manitou. Après chacun ses termes. Hein. Attention à pas toucher la falaise. On a fait une falaise de la mort là maintenant. Ah, tu vois, en plus la dernière fois je t'ai passé à Toys là. T'es passé Toys R Us. Ouais. Et Oh, il a son petit nom pour le magasin. Oh, il l'appelle. Je suis passé à Toys. Bah, tu dis quoi toi? Enfin, je dis. Alors déjà moi je passe pas à Toys. Voilà, après chacun son truc hein, mais. Et bah du coup ce que je voulais dire c'est que j'ai pensé à toi parce que c'est dans le rayon jouet ils vendaient le petit Manitou rouge, tu vois, que t'aimes pas. Le petit Manitou comme tu l'as toi là. Et il y avait un petit jouet là avec toute la ferme. Non mais genre il y avait plein de petits jouets avec toute la ferme, les chevaux. Et pourquoi tu t'es pas acheté ça? Parce que déjà le Manitou, attends, j'ai la photo devant moi là. Ah, j'ai pas le prix. Ah, je prends en photo le prix. Mais c'était une blinde quoi, c'était indécent, moi c'était cher. Et petit Manitou avec une petite palette et tout. T'es mignon. Oh, c'est... Moi j'aime bien le Manitou honnêtement, j'aime bien, c'est juste que bah faut pas trop en faire. Bon, j'ai réussi à remplir une deuxième botte de paille. Voilà, c'est un miracle d'ailleurs parce que j'ai pas trop merdé pour une fois. Attends, je peux encore partir. C'est pas dit que ça merde pas. Voilà. On va ramener ça, du coup ça fera 1000 et quelques hein, du coup pour les cochons. J'avoue que effectivement que se balader avec le camion comme ça c'est bordel. On va laisser passer alors un là, peu de temps du coup. Alors là, oh, bah merde, alors là. Merde, fais chier. Ah le salaud. Hé, hey, t'es en train de rayer la voiture, fais gaffe. Quel salopard, gars. Je m'en doutais un peu qu'il allait faire ça. Bon, je suis bon pour la recharger. Donc voilà, on va se galérer un petit peu, on va réussir, je vous garantis. Alors là, j'ai plus la piqueuse à balles. Je suis pas sûr qu'on réussira quand même. Si on va réussir, si on va réussir. Attends. Commence à avoir des doutes là. Eh, on a toujours réussi tout, attends. Oui, ah, mais là. Les viewers sont témoins, on a toujours tout réussi. Ça a jamais autant été le bordel. Tu vois, là, je te mets la. Le Manitou avec des palettes, et ben ça marche sur les potes. Ah, ça. C'est pas fait du tout pour, mais ça marche. Ouais, donc pourquoi le jeu est un peu tolérant aussi, parce que. Sinon, on n'aura pas fini. Ah, par contre, allez, attends. Tolérant et tolérant, c'est pas dit que j'arrive. J'arrive à la mettre dedans encore. Faut gagner. Je suis dedans là. Ah, c'est pas mal. Ouais, c'est bon là. Je patine, c'est bon. Voilà, si tu peux m'amener ça sans la faire tomber. On est vraiment des. Tu vas prendre Gadjuk, contrairement à toi. Hop là. Tu vois, je te verrai pas. Ah non, j'ai une meilleure idée. C'est ce qu'on va faire. Et quoi? Peut-être que la paille, faut pas la balancer. Hein. Peut-être qu'il faut juste l'amener. Donc j'essaie de l'amener. Je vais la planter avec le. Voilà. Je l'ai planté. C'est bon, ça marche. Je vais voir si. Parce que je pense qu'en fait, faut pas la balancer.
faut juste. Ah, je suis quasiment sûr qu'il faut la balancer. Hein. Moi, je suis quasiment sûr qu'il faut pas. Donc, on va essayer de le faire sans. Attends, c'est pas dit que. On arrive à PC encore ici. Je bourre le foin. Bon, je vais l'enlever là. Ah, elle est encore tombée. Fuck. Allez, vas-y, c'est vrai. Enlève tes machines. Et il faudrait une piqueuse. Il faudrait une piqueuse, pas un truc à palette. Mais la piqueuse, elle y est sur l'autre Manitou. L'autre Manitou, il est loin. Alors, on va faire un truc, attends. Dégage les machines. Je vais enlever ma porte. C'est bon. Oh, voilà. Non, j'ai pas réussi. Oh, fuck. Vas-y. Je vais prendre effectivement l'autre Manitou, j'en ai marre. On y passe des plombes là. Voilà. Ouais. Je vais aller chercher l'autre Manitou, le pic-ball. Il y a un truc que t'as pas le fait là. Au chevaux. Ah, mais je dégage ça. Tu les comptes la nuit les moutons ou pas? Moi j'en compte que 3, pas plus. C'est vrai. Pourquoi tu t'appelles The Burning Sheep? Putain. Burning Sheep, c'est à dire le mouton cramé quoi. Parce que j'étais un enfant mal aimé et battu. Ou le mouton en train de cramer en fait. C'est pas ça? Le mouton brûlé, ouais, cramé. Ah bah ça j'aime quand tu fais ça, tiens. Si tu pouvais enlever vite fait là, la trace qu'il y a devant moi avant que je me rentre dedans. Oh le salaud. Ah, je crois c'est là. Mais non mais du coup, en fait je peux pas faire ce que je veux, faut pas que tu sois dans le tas. Je sors, attends, je sors. Allez, c'est bon. Tu vas me niquer tout le terrain. Et je sais que c'est. Alors c'est pas que c'est buggé, c'est que. Après c'est possible qu'on puisse pas revenir à quelque chose de bien. Il y aura des trous partout. Hein. Si, je peux terraformer. Enfin je peux lisser. Ouais bah là, voilà. Là j'ai dû déjà de ramasser ma botte là. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça partout. Voilà. Et hop, c'est bon, me dis pas que tu peux faire ça. Je vais la piquer, hop, on va l'emmener de l'autre côté et cette fois on va pouvoir enfin peut-être ramasser quelque chose. On va accélérer un peu le temps, on va faire un ellipse hein, pour les viewers, hein, pour que vous compreniez que on va pas attendre comme des cons pendant 3 heures. Hein. Ou alors Burning, tu passes en 120 peut-être rapidement. On va aussi faire ça. Maintenant, hein, tout de suite là. Bah, je pense que ça va produire très vite donc. Okay. Pas maintenant, attends une seconde. Ah. On va pas, ok. Je vais essayer de poser Mamma déjà. Mamma mia, le bordel que j'ai foutu. La paille juste pour voir si ça marche. Okay. Bah là, ça va être coton. Hein. Ah, effectivement, je pense qu'il faut l'acheter parce que il m'a déposé la balle quoi, mais ok, ben, je vais la balancer avec l'autre machine. Elle est où, l'autre machine? La jeteuse à paille, on appelle ça. J'ai code, je sais pas comment on appelle ça. Je vais terraformer un peu tout ça parce que là ça va être coton de passer autrement. Très coton. Putain, on se prend une douche là de paille, là, de paille. Les cochons là. Je sais pas s'ils vont kiffer ou pas, mais on va essayer. On va voir si c'était buggé ou pas le fait que je l'ai vidé là. Je trouve ça bizarre quand même cette histoire là. Voilà. Je mets juste devant, ça va pas s'embêter. Évidemment, elle est relevée. Qui c'est qui a relevé là ce truc de paille là? C'est toi ça? Ah, j'en sais rien. Alors là, je. Oh là là, ce merdier qu'on a fait là. Ouais, on t'inquiète pas, on va faire ça en vidéo en fait, on va pas déranger les viewers. Eux ils veulent juste voir en fait ce que ça va produire. Et comment on s'en sort? Jusque là ils sont pas déçus. Hein. Je te le dis. Moi je connais les touches par cœur, ça je regarde même plus l'aide. En même temps c'est plus joli pour tout le monde. Voilà, on va essayer de la caser juste là. Qu'est-ce que tu fous là encore? Qu'est-ce que tu fais? Tu fais des tours de camion, tranquille, t'as que ça à faire. Oh le salaud, oh le salaud. Oh le salaud. J'étais nickel, bien nickel placé devant quoi, j'arrive et hop là. Quel salopard celui-là. Ah, je t'avais pas vu. Voilà. Je ne m'entends pas. Ah, c'est posé, comme ça qu'on garde un camion dans mon pays. Hop là. En équilibre, mais ça devrait marcher. Il devrait je vais faire le jump. Hop. La bouffer. Je vais essayer de tourner doucement. Vraiment doucement. Voilà, doucement. Alors, Burning vient de m'emmerder. Mais non, non, c'est bon, je passe par là. Ah, il veut pas, hein. Il essaye, mais il veut pas. Dans le bon sens? Ah, c'est bon. Ça fait quelque chose, là. Attends, est-ce qu'on voit quelque chose? Oui, c'est bon, ça marche. Ça se déverse. Alors, ça, c'est débile. C'est un truc qui est censé projeter. Bah, à la place de ça, ça la compresse et ça prend de la foutre par terre. Donc, pourquoi pas, mais encore une fois, je vois pas l'intérêt dans ce cas-là. Combien de temps on va faire ça?
combien de balles il va nous falloir? Et les petits cochons, ils ont l'air contents, en pêche, hein. Lui, ils ont un sol tout propre, là, tout nickel. Ouais, bah attends un peu que Kaya passe par là. Ouais, parce que là, il y en a 250. Si, pourquoi on parle de Kaya, en fait? Parce qu'il y a Kaya, on le connaît, il va passer faire un champ. Il va mettre en 120. Donc ça va dégueulasser les moutons, les poules, les cochons, les chevaux, tout le monde. Voilà. Puis Kaya, en plus, des fois, il commence un champ et il finit pas. Il s'arrête en plein milieu. Voilà. Il laisse les machines. J'ai fini. Où c'est qu'il est parti de là? Pardon? T'es parti où là? Ah, t'as vu, on peut louer les machins, les engrais. Bien. Ah, celui-là, il m'embête, je vais le chier dans la falaise. Hop là! Non, c'est bon, ça t'arrive pas mal. Bon. Bon. En vidéo, je pense qu'on va beaucoup fermer. Est-ce que tu pourrais passer en 120, s'il te plaît? Oui, alors, bam. On va regarder l'efficacité, bam. Pour savoir si ça a marché. Ah, j'ai perdu ma feuille. Alors, on est nickel, propreté, on est nickel, paille. Bah, on a 4000, c'est dans le rouge, mais on a un petit peu. Et on a déjà du lisier, burning. Passe en 120. Vas-y, passe en 120. Boum, on est passé en 120. Je vais aller voir, j'ai traversé les cochons. J'ai une petite cabane en plus, c'est pas mal. Hein. On dirait un abri anti-atomique, là. Anti-atomique, ouais. Et là, on a la cuve à merde. Vous voyez, avec la pompe. Et je pense qu'il faut juste se mettre devant pour pomper. Pour ah mais du coup, on vend la merde des cochons. Alors, on a 10 lisiers et on va avoir du fumier. Le fumier va être fait avec la paille qu'on leur a mis. Et le lisier, bah, c'est juste du caca en fait moelleux tout court. Hein. Donc, je vais aller voir combien on en a. Alors, chez les moutons, ça grossit. En lisier, on a 1400 là. Et en fumier, on a 900. Cependant, la paille va diminuer. Donc à la fin, de toute façon, on aura quasiment que du lisier. Hein. De toute façon, on va avoir un problème, c'est que les pommes de terre... j'en ai parlé hein, déjà au début de l'épisode. Voilà, il faut du maïs, du blé ou de l'orge, du soja, du colza ou du tournesol, et des pommes de terre ou des betteraves sucrières. Il faut les 4. Et il faut les remplir, évidemment, au maximum. Donc, on va juste avoir un problème. Bah, c'est que, déjà, les pommes de terre, la betterave sucrière, la nourriture qu'ils nous donnent n'est pas totalement équilibrée, malheureusement. La paille diminue aussi à vitesse grand V. Voilà, le lisier, on a déjà 2700. Du fumier, on en a 1900. J'ai envie de remplir, en fait, la cuve. Alors, on peut la mettre sur les champs, hein, je vous le dis. Le fumier comme le lisier. Cependant, on va pas forcément le faire. Apparemment, c'est relativement rentable de faire ça. Mais pour le coup, nous, c'est pas ce qui nous intéresse. Nous, ce qu'on aimerait, c'est... ah bah tiens, les cochons, déjà, ils ont tous multiplié, tiens. Alors ça, c'est marrant. Ça. Attends une seconde. On a droit à combien de cochons, au total? 250, je crois. On est d'accord, 250. Ouais. Pourquoi il y en a 252? Autrement, c'est pas drôle. Ça sent le bug, dis donc, encore, ça. Non, peut-être qu'on peut en acheter que 250 et après on doit laisser se reproduire. T'es sûr? Parce que là... on non, je sais foutrement rien. Il y en a un de chaque couleur qui a grandi, hein, déjà. Hein. Alors la propreté, ça, à mon avis, ils entassent devant. Hein. La paille diminue, on est à 2600 sur les 4000 qu'on avait. 4027, je crois qu'on avait. Et pendant ce temps, le fumier, le lisier continue de grossir. Ce qu'on va faire, Burning, ce que je te propose, c'est on va s'arrêter quand il n'y aura plus de paille. C'est-à-dire qu'on n'aura plus de fumier. Parce que là, j'ai l'impression que ça suit, en fait. Hein. Lisier, fumier, ça suit à peu près. On a déjà 5000 litres de lisier, quand même. Et ce qu'on va faire, on va aller vendre ça pour voir combien ça rapporte. Alors, peut-être pas le fumier, parce que le fumier, comment on peut remplir ça? Est-ce qu'on peut remplir avec une cuve, le fumier? Le lisier, oui, probablement. Le fumier, non, je pense pas avec une cuve, quand même. Fumier, qui est un mélange, je vous rappelle, hein, de... Non, mais je sais alors, ce qu'il nous faut, et on a la remorque pour, c'est bon. Alors, ce que je te propose, oui, donc je disais, le lisier, normalement, c'est que liquide, et le fumier, c'est uniquement de la paille avec de la merde, en fait, avec du lisier, en fait. Ça, c'est la réalité, bien sûr. Où est ton camion, là? Avec moi. Je pense que tu vas arrêter le temps, là, parce que en plus, il va faire nuit après. Ou là, on fait vraiment une ellipse pour aller jusqu'au bout, peut-être, jusqu'à demain matin. Ça serait plus sympa. Bah après, on peut dormir, on va la passer en deux de la nuit. Ouais, c'est vrai qu'on n'a jamais fait. Bah écoute, bah allons dormir, c'est quoi? Allons dormir, on l'a jamais fait en vidéo. Allons dormir maintenant, je retourne à la maison. Ah, t'as arraché des palettes, tiens, effectivement. Ah ouais, c'est un bordel, monstre. Je te vois, je suis en train de remplir les palettes là pendant ce temps-là. Ouais, bon, j'arrête de remplir, je vais dormir. Ouais, on va dormir.
Comme ça, bon, on l'aura fait en vidéo aussi, parce que c'est vrai que ça, on l'a jamais fait de dormir. Mais d'ailleurs, c'est pas mal. Le temps, bah, là, tu l'as remis en fois 1. Mais on était en 120, c'est la vitesse max où on peut passer le temps, évidemment, dans le jeu. Vas-y, propose. Ah, ok. Pendant combien de temps tu veux dormir? Oh, bah, mais pendant 12 heures, là. 12 ou 12 13 heures? heures même. Bah oui, On peut monter à 14, hein. bah vas-y, mets 14, mets 14. C'est parti, au dodo. The Accepte. Burning Sheep veut dormir. Oui, je veux dormir. Regardez bien. Là, on passe en 5000 carrément. Alors, par contre, vous avez vu que là les moutons, c'est le gros merdier, forcément. Les poules, c'est pareil, ça va être super moche. Les chevaux aussi. Les cochons, ça va être super crade, voilà, On va évidemment. passer 5 heures à tout ranger Oui, on va encore. passer 5 heures à tout ranger, je Oh pense. fuck. Ah, oh là là, mon cam internet bug. Donc, moi, je retourne, voilà, aux cochons pour voir où ils en sont. Alors là, il nous met plus d'espace pour les nouvelles palettes. Bah oui, on n'a que 4 Ah, c'est espaces la pour les palettes, merde chez les moutons. donc ouais, c'est comme ça tout le temps. Alors, les cochons. Allons voir déjà s'ils ont tout dégueulassé ou Ah, pas, mais c'est je la pense merde que chez les oui. poules. Bah, c'est la merde chez les cochons, si tu vois le merdier qu'ils ont fait. Il faudrait un Manitou Oh, avec une pelle aussi ici. mais non, regarde. Ah bah oui, bah oui, il est là, je crois. Ramenez la Je bête. pensais que c'était le jeteur de. Le jeteur de paille. Alors, on en est où au niveau des moutons, des cochons? Ils ont plus de paille. Ok, donc là on produit 100% normalement de lisier, forcément. On a 22 000 litres de lisier, Burning. Ce que je te propose, c'est d'aller chercher le camion. S'il te plaît. Le camion, Non, il est pas plein je encore. m'occupe de ça, va chercher le camion. Il est pas plein? Mais il est pas plein de quoi, la remorque et la flotte. T'as racheté une remorque? Non. En fait, j'ai racheté des engrais pour cochon. Il nous faut une remorque à lisier, Burning. Ah, à lisier. Ouais, à Donc lisier. une remorque à flotte, quoi. Je pense qu'il fait lisier aussi. Ouais. Bah, après, on la plus grande, hein. En espérant qu'elle marche, mais C'est évidemment. quoi le symbole du lisier? Pas la moindre idée. Comment t'as plié ton truc, là? Ah, c'est bon, ça. Ouais, mais il me faudrait le symbole du lisier, quoi. Franchement, qu'est-ce que tu m'as foutu avec ton. Colza, coton, J'ai avoine. pas laissé T'as pas le plier ça. symbole du lisier? C'est un gros caca qui est fumant, là, non? C'est ça? Un gros caca fumant, alors c'est pas pris en compte. Hein. Bon bah il faut peut-être une cuve à lisier alors. On va voir les cuves à lisier, on peut acheter une cuve à lisier tout court. Alors là Et j'ai alors, des. cuve à lisier. Je galère un peu là je vous avoue effectivement. Épandeur à fumier, on va voir s'il y a des trucs pour lisier. Ah déjà j'ai trouvé le truc pour le fumier, je pense. Ouais, ça c'est le fumier. Ah mais c'est de la merde, ça Pourquoi c'est pas j'arrête du. pas? Et en fait ta pelle à la con là. C'est vraiment de la merde. Hein. Eh non, elle est trop bien cette pelle. Bah non, parce que j'arrive pas à ramasser au ras du sol. Comment tu Mais si, il ramasses faut tes. Mais. Bah j'essaye, excuse-moi. Attends, j'arrive. Et parce que tu. Vas-y, mets-toi Ouais, bien. mais tu peux pas la descendre plus. Donc je peux pas racler le sol. Oust, sors. Ah, c'est bon. Là, au fur et à mesure, mais putain, c'est galère quoi. Mais non, c'est toi qui sais pas t'en servir. C'est. Ça, c'est mon bébé, ça, c'est mon petit protégé. Ma belle bête. Alors, par J'arrive, contre, j'arrive. à lisier, toi tu veux du matériel à lisier. Oui, mène-toi là! Mais trouve pas. Bien sûr, du matériel à lisier. Pas, sinon, t'achètes une cuve à lisier, quoi. Il y a des cuves à lisier. Ah, Tu vois. cuve à lisier, c'est bon, je trouvais. Voilà, combien c'est? Bon, attends, on va te prendre une belle bête, hein. Bah, Alors. il faut un tracteur surtout pour la ramener, je pense. Mais. Alors, c'est pour les PD. Je vais aller chercher un tracteur. Les gens, il y a un tracteur ici. Je vais le prendre. On va partir sur du 30 000 litres et c'est bon, je peux le prendre avec un camion celui-là, je crois. C'est Ouais. vrai? Bah, est-ce que tu peux le ramener ou Ouais, pas? ouais. Bon, 30, je pense à 30 000 litres. Ouais, Là, bah. c'est plus gros. Ah non, là, il y en a un 34 000 litres, mais lui, je pense pas que je pourrais le ramener avec le camion. Bah, sinon, je suis en train d'arriver avec le tracteur, bien. Ah, mais 30 000 litres, ça suffit largement, pas déconner. Oh le Allez, merdier. 30 000 litres, c'est parti. On le met quelle couleur? Oh! Ah, qu'il est beau en blanc. On le met bleu, couleur du gaming? Ouais. Et du coup, Beau. c'est quoi? C'est une remorque à camion qu'il faut? C'est quoi? Ça Je pense pue qu'une tout ça. remorque à camion suffira largement. Oui, non, oui, c'est une remorque à camion, ça, à mon avis. Oui, c'est un camion, c'est un camion. On Bon. dirait une citerne à flotte, en fait. Oui, bah oui, mais sauf J'en qu'elle ai a pris un qui lisier. ressemble à une citerne à flotte, donc à mon avis. 75 000! La vache, on perd de l'argent encore. Hein. Ouais, mais on fera du bois, t'inquiète. Bah après, faut voir combien ça rapporte justement, combien le fumier et le lisier rapportent. On va peut-être faire que le lisier dans un premier temps, je pense que le lisier, pardon, oui c'est ça, pas le fumier. Ouais, le lisier. Ouais, Parce le que là, lisier. je pense que pour le fumier, il faut encore une autre machine, on n'est pas rendu. Ouais, c'est bon, j'arrive avec, si tu veux. T'arrives avec?
Ouais, j'arrive avec. Merde, moi aussi j'arrive. Oh non, j'ai le camion, t'inquiète, j'arrive. Ça fait un très gros camion pour un... Merde quoi. Je pense pas que le tracteur comme ça était nécessaire. Le tracteur comme ça, c'est-à-dire quel tracteur? Y'a du, je te vois arriver, hein. Tu vas prendre un coup de tête. Hein. Ah non, t'as pris le gros tracteur blanc, non. Mais j'ai plus de chevaux que toi, effectivement. Viens ici. Viens ici. Ah le salaud, il fuit. Il fuit. Il fuit. Ah, c'est vrai que tu viens avec le tracteur vert. Celui-là il pollue, tu sais, il a tout de suite mais noir là, c'est même pas grise un peu, non, c'est noir. Elle est noire. Le Big Bud là, ça c'est du. Et encore, là on a le Big Bud gentil. Parce qu'il y a le Big Bud au-dessus qui lui est très très méchant. Il fait 1100 chevaux là. Ça... Allez, t'es pète-toi. Ouais. Et les 12 roues. Non, j'arrive, attends, j'arrive en tracteur. Parce que je vais devoir galérer quand t'es sorti là, que tu traverses la voie de chemin de fer. Je suppose qu'on a dû rigoler, non? Non, c'est bon, j'ai réussi d'un coup. Ça passe bien ? Ouais, je suis passé d'un coup là, pour une fois. Attends, je suis à fond là, avec mon tracteur. Je remplis ? Je suis à 3000 tours là. À fond là. Je remplis ou pas ? Non, remplis pas, c'est moi qui vais faire. Sympa ça, dis donc. C'est moi qui vais faire. Tu fais bien de me dire. Putain, tu vois là en fait, tu peux sélectionner combien de lisiers tu veux remplir. Et de fumier on peut aussi ? Bah, fumier, je sais pas, j'ai pas touché. Non, le fumier il rentre pas là-dedans. Il faut une machine spéciale pour le fumier, c'est autre chose. Ouais, c'est le train qui passe pas parce que des fois on se prend le train. On vole là quand on se prend, parce que le train il bouge pas. Mais t'es sûr, c'est pour ça que je me suis mis si pas tu viens d'embêter. Voilà. Allez bisous. Ouais, on va se sentir con que tu vas falloir enlever. J'ai besoin du camion, du coup. Ah oui mais quoi, je suis con, mais c'est toi qui m'as mis un coup de tête. Donne-le-moi là, descends. Descends. On va essayer sa vie de faire. On va voir combien ça rapporte. Vous arrêtez de hurler, bande de porcs. Bah allez, ils sont contents, ils ont qu'à bouffer. Enfin, globalement, un porc, ça passe son temps à bouffer. Ah, c'est SCP de joueur aussi, hein, comme tout animal. Appuyer. Comment? Accroche-le et appuyer, tu vas voir, il va te demander de sélectionner comme il t'en veut. Ah, oh, putain, ça doit pas sortir bon ici, quand même. Ah bah oui, du lisier. Parce que regarde, la cuve, elle est pleine. Le lisier, ça pue bien, hein. Ça. Tu m'as dit R. 22 000 oui. Bah, 22 000, c'est parti. Hein. Déjà, on a déjà fait une remorque, enfin, une cuve entière. Sachant qu'on a fait du fumier parce qu'on a mis de la paille. En 12 heures. Hein. C'est là, on va pas être loin de la remplir totalement. Par contre, où c'est qu'on peut la vendre, Bernie? Le fumier, où est-ce qu'on vend le fumier? Le lisier. Le lisier, excuse-moi. Le lisier, il se vend au biogaz. Bah, le biogaz, c'est juste derrière. C'est pas l'usine de biogaz qu'on a là-bas, là, si. Ah. Alors. Qui touche... Ah oui, parce que... Oui, d'accord, il y a la pente de la mort. D'accord. Biogaz... Alors non, biogaz, c'est... Pas là du tout, biogaz. Biogaz, c'est pas l'usine qui est à côté, là? Si, biogaz, c'est... Oui, c'est ça, là-bas, oui. À côté de la station de chaud. Alors, la voie de chemin de fer, c'est toujours... Alors, on regarde pas... Tu me repasses le camion. Donc elle s'arrêtait les voitures. Parce que là les voitures PNJ c'est les plus puissantes du jeu, hein. Attends, elle t'arrête c'est nous n'importe quel tracteur. C'est à nous ça? Non c'est pas à nous ça. Si, elle est à nous l'usine. On avait dû l'acheter parce que tu sais on n'arrivait pas à mettre des silos. Oui mais ça. Ces silos là sont buggés aussi au passage. Regardez, ils sont là mais on n'arrive pas à les débâcher. Donc il y a un bug encore avec les silos. Mais il y a plein de merde là, c'est devenu tout blanc. Non, c'est devenu tout blanc, c'est une bâche. Une bâche ça? Ouais, c'est une bâche. Oh putain. Alors est-ce que c'est là qu'on va? Bonne question ça. Mais c'est quoi cette remorque? Bah quoi? Quelle remorque? Bah la rouge là. Ah oui mais ça c'est la remorque que Kaya utilise. Oh ouais, ça fait tellement longtemps que je suis pas sorti de ma scierie, moi je sais plus à quoi ça ressemble. Le monde extérieur. Pourquoi j'arrive pas à le vider là? Parce que ça à mon avis c'est plus du fumier, c'est une tronche de fumier ça. Ouais c'est une tronche de fumier, on est d'accord. Bah le lisier on le met où? Voilà, on est encore bloqué, on sait pas où vendre le lisier. Attends, on va trouver. Là, il y a un... Attends, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre en mode... C'est pas là non plus. Je fais le tour, moi. Non, moi, je me mets en mode... Modifier caméra. Le terrain pour voir. Ah, bah attends, il y a une... Je vois, il y a une...
ici je pense. Alors normalement le lisier, encore une fois, on le met dans les champs, je pense que c'est par là qu'il faut, il faut l'utiliser. Ça me paraît très logique, regardez, ça tombe pile au-dessus. Non, c'est pas, c'est une seule tronche. Bah ouais, mais regarde, il y a l'embout qui va pile dedans, regarde. Voilà, hop là, tu vois. Ça ? Non, ça marche pas, mais ça devrait. Ah, ok. On peut pas le vendre, peut-être le lisier, peut-être que le lisier, on peut que le l'épandre, c'est possible. C'est possible. Et non, attends, c'est quoi le dessin du lisier ? Je sais pas, je remets bien quand même dessus, là, pour être sûr. Attends, ce que je vais faire, c'est que je vais faire tac. Ah, lisier tac. Ah, bah c'est bon, il propose. C'était là où il y avait le fumier, en fait. Alors, on va voir combien ça rapporte. Je suis en train de le vider, pour moi, ça rapportait zéro. Je vous rappelle, 22 000 litres. Ça en fait de la tonne de merde, hein, quand même. Hein. Probablement 22 tonnes, pas loin, un truc comme ça. Bref, passer les tailles. Donc ça, bah, en fait un litre, c'est... de merde. Hein. Ah, non, vas-y. Voilà, j'ai tout vidé, sinon ça va me dire à la fin. Zéro. Et ça m'a rapporté... C'est une blague. Je veux plus jouer. On l'a donné gratuit, le lisier. Moi, j'imagine le mec, il dit, bah vous videz là, vous videz votre camion là. Tu le vides, tu dis, bon, ça y est, j'ai vidé mon camion. Et l'autre, il te dit, merci, au revoir. Non, tu sais, il te regarde droit bonne journée. Il te regarde droit dans les yeux, il fait, quel camion. Oui. J'ai rien vu, moi. Avec ses deux parrains de la PEC derrière, là. Allez, rentre chez toi, Mino. Faut faire gaffe, parce que la mafia, en ce moment, le lisier, ils font attention. Hein. Il y a du trafic de lisier partout, là. C'est un coup à se faire buter pour du lisier. Hein. Trafic de merde. C'est ça. Oh, tremplin. Oh oui, oh. C'était beau. Bon, bref, bah du coup, on saura pas combien ça rapporte, parce que visiblement, c'est gratuit, le lisier. Ou alors, peut-être que ça se transforme en fumier. Possible aussi. Peut-être que quoi? Ça se transforme en fumier. Bah peut-être que l'usine là... Bah non, attends, en toute logique, normalement ça devrait te produire quelque chose. Bah oui, dans tous les cas, on n'a pas rien filé, on n'est pas arrivé en mode tenez, servez-vous. Peut-être que cette usine là va produire derrière de l'énergie et ça te revient après peut-être tous les jours. Ah, t'es en train de te perturber sur le mur là. Oh là, oh là, il est parti là. Hop là, je suis allé faire les moutons là parce qu'il me gonfle. Ça a dû bugger. Bon, ce qu'on va faire, nous, on va s'occuper des moutons là, des poules là, je vois que ça clignote là. Les chevaux aussi. On va finir les cochons. Comme ça, on sera nickel pour la prochaine vidéo. J'espère que ça vous aura plu, hein, même si on n'a pas fait de fumier. Mais encore une fois, le fumier, c'est comme le lisier globalement. Donc, on va pas vous le montrer, mais voilà, on aura essayé au moins. Bref, du coup, eh ben, on se laisse et on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye. Allez, bye bye.